Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve directement sur mes mains. Je vais vous épargner ma tête de maman Covidée. Après les enfants, eh ben, c'était moi, mais bon, ça touche, on va dire que ça touche à sa fin. Alors, hop. Ah oui, donc, j'ai reçu un colis géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc, c'est mon cadeau spécial Saint-Valentin. Voilà. Cadeau de moi à moi, comme d'hab, vous allez me dire. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, écoutez, vous avez vu, le carton est complètement défoncé. Voilà. Bah, comme d'hab, hein, je vais vous dire aussi. Hein, à chaque fois que je reçois un colis, soit il est ouvert ou soit il est complètement abîmé. Alors, j'espère que le papier à l'intérieur, il n'a pas pris un coup. Donc, je vais voir ça avec vous. Ouais, j'aurais pu prendre un plus gros ciseau, hein, vous allez me dire aussi. Ben, je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de papier à l'intérieur et c'est vraiment bien protégé. Donc, je déballe tout ça et on regarde ça ensemble. Ouais, ah, déjà, on a trouvé des aquarelles. Un petit pinceau qui se perdait dans le carton. Je vais à la pêche. Hop. C'est tout? Il n'y a plus rien, c'est ça? Alors, je commence avec ce petit bloc au format A5, donc de Clairefontaine. Alors, tout le papier, tout ce qui est bloc de papier aquarelle, c'était à moins 50%. Donc celui-là, c'est pas du 100% coton, c'est du 100% cellulose, c'est pour ça que je l'ai payé genre 5 euros. Il y a à l'intérieur 15 feuilles et il est écrit grain fin et grain torchon. Donc c'est du papier noir. Hein. J'aime trop le format parce qu'il est voilà, format A5, après pour encadrer c'est top. Et du coup là c'est grain fin et je pense que derrière c'est le grain torchon en fait. Je sais pas si vous verrez à l'écran. Vous voyez là la qualité et ici grain fin, beaucoup plus lisse. Bah écoutez, je suis contente, je vais pouvoir tester bah, toutes nos aquarelles nacrées, tout ce qui est pailleté, tout ça. Ça va, je pense, avoir un super rendu sur ce papier noir. Donc pourquoi pas aussi faire une vidéo avec vous, ça serait cool. Ensuite, j'ai craqué pour du super bon papier, donc toujours Clairefontaine. Alors, j'ai souvenir que mon papa, de mes toutes premières aquarelles, m'avait acheté un bloc de papier. Et c'était le même, à part que c'était du grain fin. Voilà, donc le packaging, il était rose. Et à chaque fois, je me demandais, mais sur quoi j'avais dessiné ces aquarelles. Le papier, il était excellent. Et j'ai retrouvé la pochette, voilà, perdu au fond de mon bureau. Et du coup, ben, j'ai commandé. Et donc, c'est du 100% coton. Hein, pour ça, le prix, il est beaucoup plus onéreux que du simple cellulose. Ben, du 300 grammes également. Mais à l'intérieur, vous avez 25 feuilles. Et je crois que c'était l'article le plus cher de ma commande. Du coup, j'ai eu à moins 50%. Mais je crois que je l'ai quand même payé 18 euros, je crois. Hein. 18 euros les 25 feuilles. Encore, ça, c'est super raisonnable, hein, parce qu'il faut compter des fois souvent 1 euro la feuille. Alors, du coup, c'est du grain demi-satin. Alors, demi-satin, ça veut dire le papier, il est beaucoup plus lisse et c'est vraiment pour tout ce qui est beaucoup plus précis, comme tout ce qui est fleurs, voilà. Alors, par contre, je vois, j'ai jamais eu ça, il est indiqué pour détacher les feuilles, insérer une lame ici. Alors, ça, mes amis, je ne suis pas très douée avec tout ce qui est lame de cutter et tout. On voit que le papier, il est collé. Ah ouais, d'accord, ok. Là, il y a de la colle. Et là, il n'y a pas de colle. Et en fait, j'ai vu une technique. Sinon, il y a juste à prendre un pinceau hyper fin. Hop, je le rentre dedans et j'enlève la colle. Parce que là aussi, c'est pareil, c'est tout collé. Voilà. Et du coup, le papier, on le voit, il est hyper lisse par rapport à, je vais vous montrer, du papier arche, grain fin, qui va être, vous le voyez à la caméra, qui est beaucoup plus rugueux. On voit bien quand même. Faites voir. Il est plus blanc, le Clairefontaine en plus. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite,
Hop, je me suis commandé un petit pinceau taille 0 parce qu'en fait j'avais un taille 1 mais je voulais un truc un peu plus précis. Alors, attendez, j'arrive à le sortir. Donc c'est un DaVinci, donc taille 0. Ben, écoutez, il a l'air très bien. Il est très fin, c'est tout ce que je voulais. Alors après, c'est Kolinsky. Et puis, je ne sais pas si c'est du poil synthétique ou pas. Je m'en souviens plus. Vu le prix, je pense pas. Je crois que je l'ai payé 5 euros alors. Hop, ensuite des aquarelles. Alors, je vais les ouvrir et je vais les tester avec vous. Donc, pareil, Sonoli, en ce moment, vous avez jusqu'à moins 25%. Et j'ai pris deux Van Gogh parce que c'est mes chouchous. Alors, ici, c'est de l'aquarelle extra fine et ça, c'est de l'aquarelle fine. Et mon but, c'est de, ben, en fait, d'avoir un maximum. Enfin, j'essaye de finir mon aquarelle Van Gogh et de la remplacer par de l'aquarelle extra fine. Donc vous voyez, j'ai des godets qui sont quasiment bien creusés. Voilà. Donc, bon là, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais remplacer certains godets parce que j'ai de l'aquarelle dedans. Les gros là, c'est de l'aquarelle sonnée. Alors je pense que je vais changer. Et alors, on va regarder ça. Ah ouais, je m'en doutais. Alors, ça, c'est un série 4. Alors, série 4, donc ça va de série 1 à série 4. Série 4, c'est le pigment. Plus le chiffre est fort, plus le pigment est rare et plus le prix de l'aquarelle est cher. Et celui-là, je l'ai payé en promotion, hein, 6 ou 7 euros, je crois. Voilà. Et les autres, bah, là, c'est série 1, série 1, série 1. Et lui, série 2. Donc, c'est pour ça, en fait, les prix changent. Par contre, Van Gogh, c'était dans les 2 euros le prix du godet. Alors, c'est parti. On va déballer les godets Van Gogh. Alors, déjà, ça, c'est la couleur gris de peine. Gris de peine, c'est top pour faire tout ce qui est... pour marquer les ombres, en fait. Alors, l'opacité, elle est juste là. Ça veut dire que le carré, il est blanc. Ça veut dire qu'elle est transparente. Et on a trois petites croix ici, ça veut dire que résistance à la lumière maximum. Donc Van Gogh, ils ont une capacité de résistance à la lumière plus de 100 ans, je crois. Donc c'est excellent. Et ici, on voit l'opacité, par contre, elle est semi-opaque. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, c'est une couleur lavande et du coup elle a dû être mélangée avec peut-être un peu de gouache ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que en fait elle sera pas transparente. Et vous avez vu la marque, c'est Royal Talent. Donc c'est parti. Ça s'ouvre très facilement. J'aime trop à chaque fois, c'est des petits bonbons d'aquarelle. Franchement, c'est petit, mais il y en a pour toute une vie. Enfin, je dis ça, mais je les ai déjà bien creusés. Hein. Mais ça fait au moins 3-4 ans que je les ai mes godets. Hein. Oh. Cette couleur est très intéressante. Donc là, on a la ref qui est juste là. Je vais tester ça avec vous. Bah écoutez, elle reste quand même transparente. Hein. C'est très joli. Et le gris de peine. Wow. Ah, je suis contente parce que j'avais pas de couleur similaire. Vous voyez, on peut vraiment balader la couleur très très loin. Très très joli. Bon, je vais continuer avec la sennelier. Alors déjà, je vous explique. Alors, ce bleu, le bleu céruléum,
Je l'avais juste ici. C'est un super beau bleu, très transparent, très clair, mais top pour faire le ciel. Je l'adore ce bleu. Et pourquoi en fait je l'ai recommandé? Parce que tout simplement, il était dans ma palette. Hein. Mais un jour où, je sais pas, un matin où je n'étais pas réveillée, je suis venue, en fait, j'avais deux godets, comme ça. Voilà, deux bleus. Je suis venue tout simplement remplir mon godet ici de la teinte. C'est quoi comme teinte? Ah, c'est le bleu de manganèse de Daniel Smith. Un super beau bleu. Attendez, je vous montre. C'est ce bleu-là. Juste là. Il est trop beau. Du coup, je suis venue remplir mon godet. Et puis après, ben, je ne sais pas pourquoi, je suis venue mettre cette couleur sur le godet sennelier. Voilà. Donc, conclusion, on peut voir hein, que juste en dessous, il y a la vraie couleur. Voilà. Mais en attendant, bah écoutez, hein, j'en ai recommandé un autre. Je suis hyper tête en l'air. C'est pour ça qu'il m'arrive souvent de tremper mon pinceau dans mon thé. Mais j'ai vu sur Instagram que j'étais pas la seule. Donc écoutez, on va déballer tout ça ensemble. Alors, ça se déballe comment? Alors déjà, je regarde comment ça fonctionne chez eux. Pareil, c'est aussi des petites croix pour l'intensité à la lumière. Donc là, on est sur de la peinture, de l'aquarelle extra fine. Donc les pigments sont beaucoup plus fins. Et les couleurs doivent être beaucoup plus intenses. Déjà, c'est plus difficile à retirer, hein. Donc voilà, je retrouve mon fameux bleu. Donc là, c'est le vert sapin 899, série 1. Pareil, très bonne tenue à la lumière. C'est Caro from Woodland qui travaille avec la peinture sennelier et ça m'a donné trop envie. Alors du coup, je vais devoir refaire tout mon nuancier. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ensuite, j'ai pris la teinte ton violet cobalt foncé 913, série 2. Ça, c'est style de grain brun 445, série 1. Et ici, c'est tout ce excellent tenue à la lumière. Et le vert anglais clair, donc teinte 805. Bon, je déballe tout ça, puis on regarde ensemble les couleurs. Alors, je vais vous montrer l'aspect des godets. Ok, alors la référence elle est juste là. Alors ce sont des aquarelles qui sont fabriquées à base de miel. Alors il y a certaines marques, ça va être de la glycérine. Bon là on est dans de l'aquarelle extra fine. Après aquarelle fine, souvent ça va être de la gomme arabique. Alors je vous montre par exemple, vous voyez? Tout ce qui est White Knight, c'est hyper collant. Et voilà, ça c'est de la gomme arabique. Et là, on est vraiment sur un aspect bah, qui est vraiment pas. On voit que ça brille, quoi, mais c'est sec au toucher en fait. Donc écoutez, c'est parti, on va tester ça. Je cherche mon petit chiffon, il est juste là. Je vais commencer par ce bleu. Attends. Je vais bien laver mon pinceau pour pas tacher. Il est vraiment très transparent. Et il est magnifique, je l'adore.
Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce vert. Alors, ça, c'est le vert. Je sais plus le nom. J'ai perdu mon petit papier. Quelle organisation j'en ai? Je pense que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de pigments. Je cherche la couleur, je sais plus où elle est. Ah oui, en effet. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de pigments sur son pinceau. J'ai pas vu au niveau du papier, du coup, le rendu, si c'était opaque. Ah si, c'est là. Ok, c'est juste là. Transparent. Mais je cherche ma teinte. J'ai retrouvé. C'est le vert anglais clair. Et pareil, du coup, c'est du transparent. Oui, ça, on voit bien. Ensuite, alors, ça c'est quoi? Pareil, transparent, c'est le style de Grimbrun. Alors ça, j'ai trouvé la couleur hyper originale pour faire des bouquets. Waouh, c'est trop beau! Hop, je vais prendre l'espèce de vert sapin. Alors là, on est sur semi-opaque ici. Il va être un peu plus couvrant. Qu'est-ce que c'est beau! Vous avez vu? Les couleurs sont hyper profondes, très lumineuses. Trop beau. Et le violet, j'ai trop hâte de tester. Waouh, c'est trop beau. Il est transparent, hein. À peine j'ai touché, vous avez vu la fusion là entre les deux couleurs? C'est bon signe, hein. Alors ça c'est donc le ton violet cobalt foncé et pourtant c'est un semi-transparent aussi. Semi-opaque. Je vais regarder encore. Oh mais non, il est super transparent quand même. Par rapport, je vais vous montrer. Dans ma palette, le violet ici. Ça, c'est un violet de chez Sonnet. Bon, c'est pas la même teinte, hein. Mais franchement, la Sonnet aussi est vraiment très bien. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus transparent. Alors, je vais laisser sécher, puis on regardera ça après. Je suis trop contente du pinceau, il est trop beau. Je ne sais pas si vous allez voir. Déjà, l'embout or, j'aime beaucoup. Et puis, il y a comme des effets de marbre dessus. Il est très joli. Très beau. Je vais faire un petit test avec vous. Vais prendre. Avec. Vous avez vu, ça se balade tout seul, c'est trop beau. Et si j'essuie bien mon pinceau, je peux retirer facilement la couleur, vous avez vu. Franchement, cette aquarelle est magique, trop top. Je suis trop contente.
Bon, bah écoutez, la vidéo est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. Et maintenant que ça va mieux, je vais pouvoir vous tourner plusieurs vidéos, dont les vidéos spéciales pour les débutants. Écoutez, bah à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!